Très très heureux de vous retrouver aujourd'hui, donc ça va être un blues un petit peu moderne, un blues shuffle qui va être très très rythmé, vous l'avez entendu, il y a beaucoup d'accords, beaucoup de notes étouffées. Ce blues m'a été inspiré par un guitariste dont je regarde beaucoup de vidéos, que j'aime énormément, que je suis depuis quelques temps, il s'appelle Kurt Fletcher. C'est un guitariste avec un jeu très expressif qui utilise énormément les accords avec des voicings intéressants. Il est un petit peu inspiré lui-même par Robin Ford et puis par tous les bluesmen de légende que l'on adore. Donc il mixe un peu ça comme ça, le côté très riche et à la fois avec un jeu très expressif. Si vous ne le connaissez pas, vraiment, vous ratez quelque chose. Il faut absolument voir qui c'est. Enfin, peut-être n'allez pas voir, comme ça, vous n'allez pas savoir d'où je prends mes plans. Cela dit, je n'ai pas fait un copier-coller pour ce truc. C'est vraiment un truc que j'ai... C'est vraiment un truc que j'ai écrit. Mais voilà, vous savez, voilà, vous regardez d'autres musiciens et là, tout d'un coup, vous avez les idées qui commencent à arriver sur le manche. Et ben, merci, voilà, à tous ces bluesmen qui nous inspirent. Comme d'habitude, vous aurez les tablatures qui vont apparaître à l'écran et puis je vous invite à les télécharger. Pour ceux pour qui cela est possible, ça m'aide beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, comme on a un son déjà un petit peu claquant, on va se mettre sur le micro-manche pour que ce ne soit pas trop brillant. Maintenant, c'est une affaire de goût. On va démarrer avec un slide. Vous pouvez l'amener d'une case ou de deux cases, de la cinquième vers la septième. Ça, ça va être une diade de sol 7. Alors là, je le joue en triade. Ça, ça serait votre sol septième. On va donc l'amener, pour ma part, d'une case. Donc, j'ai utilisé ces deux doigts pour laisser le doigt numéro 1 disponible, bien que je revienne avec le doigt numéro 3. Ça va donner donc 7, 6, 7, 7, 6, 7. Jouer en triade. 5, 3, 5, 3, 5. Et donc là, c'est que des triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Ensuite, le rappel. Et donc, ça commence avec cet accord. Alors, il est super sympa. Donc, c'est un sol 9. Sauf qu'on va enlever la fondamentale. Donc là, on aurait le sol 7e. Peut-être que vous connaissez. 10, 9, 10. On rajoute la 9e. Donc, on va simplement le jouer comme ça, en barré, en demi-barré. On va le faire glisser. Donc, vraiment, pour qu'on ait cet effet dynamique. Et ensuite, eh bien, on va étouffer les cordes et on va faire un shuffle. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 4 et... Donc là, on va passer de cette forme-là vers un Do 9. Sauf qu'on va le jouer encore. Et là, ça va être dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Sans la fondamentale. Il sonne super sympa. Ensuite, on va jouer autour du sol avec cette petite diade. Donc sol 7, sol majeur. Je ne sais pas si vous êtes habitué, donc la septième mineure et la tierce majeure. Là, on a la fondamentale et la tierce majeure. Donc on va jouer là-dessus. Alors attention donc à faire cette grace note. Donc, il va falloir faire le hammer-on très rapide à partir du demi-barré. J'aime bien rajouter un. Donc un coup vers le bas étouffé. Mais vous allez lire 3, 4, 5, 5, 5. Encore la grace note. Et ensuite. Donc ça, c'est vraiment pour rester encore. Là, on est toujours sur un sol. On est un petit peu dans la substitution. On ne va pas aller dans les détails pour essayer d'avancer un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, vous allez me voir à chaque fois rajouter des étouffées à droite, à gauche. Donc ce n'est pas le but. En fait, c'est quelque chose qui est fait pour être vivant. Donc je ne vais pas pouvoir vous le jouer deux fois exactement de la même manière. Il y a une part
bien de sensations au niveau du moment où on est en train de le jouer. Je nous interromps pour vous rappeler que sur la chaîne Groove Guitar, il y a beaucoup d'autres tutos, des tutos blues électriques, des tutos blues acoustiques, des tutos super faciles blues juste pour vous, les débutants, et pour n'en rater aucun, bien, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est également un excellent moyen de me remercier. On continue. Donc, on passe au cycle en Do 9. Et juste après l'avoir joué, vous faites un léger... Vous voyez que ça donne un petit peu comme ça de dynamique, un côté vivant. On passe sur un Mi bémol 9. Et là, ça va être le Mi diminué 7. Donc il vient en substitution en fait de cet accord-là. C'est le même accord pour moi. Puisque là, en fait, il y a cet accord-là, on peut le voir comme un Mi mineur 7 quinte B et comme un Mi diminué maintenant, diminué 7e. Ben là, je vais le décaler, donc comme vous savez, aux accords diminués. Ben, je vais faire la même chose ici. Donc pour moi, c'est le même accord, c'est le Do 9, ça. Ça vient en substitution. Donc c'est des décorations, voilà, je sais que ça fonctionne, je l'utilise, mais après, voilà, pour vérifier est-ce que c'est tel accord ou tel accord, ça n'a pas d'importance, ça je le fais complètement à l'oreille. Donc le doigt du milieu, super sympa cette petite, ce petit motif majeur. Alors on suit le sol majeur, là je suis sur un sol 7. Alors je vais pas vous faire le vibrato ici, hein, il n'y en a pas. 4, 3, 5, 3, 3, 3, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Alors ça va dépendre de ce que vous voulez, pull-off ou pas pull-off, ça m'est complètement égal. Ensuite on avance. Alors il faut être un petit peu faux. Je me souviens pas si je le fais avec un slide. Ah, je l'amène en slide. Ensuite, eh bien, on revient sur un cycle en Do. Et là, je vais le substituer avec un La mineur 7. Donc, vous pouvez faire 2-0, 3-0, 4-0 pour donner un petit peu un effet de walking bass. Maintenant, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça c'est très très sympa. Donc le Ré 7, 9 dièse, parce que ça, ce sera en fait votre Ré 9. Et donc là, la 9e. Regardez bien, une 9e dièse. On termine donc. Là, ça va être une grace note encore. Très rapide, le demi-bar avec le hammer-on à la 4e. Donc, 5e case, et vous étouffez, donc bas, bas, haut, étouffé, bas, haut, étouffé, 4, bas, haut, étouffé. Donc là, ça va être vraiment au feeling, vous pouvez faire comme vous voulez. Et là encore, c'est pour avoir cette walking bass. Rajoute un petit peu d'intérêt et on termine là où on a commencé. Et on termine avec ça. Donc on termine avec le Sol 9. Ou du moins, ça, substitution, vous l'appellerez comme vous voudrez, mais pour moi, c'est vraiment un Sol 9. Alors, je fais le slide, donc j'appuie bien contre les frettes. Et vous avez remarqué qu'ensuite, comme j'ai les doigts qui sont sur ces cordes-là, ça va faire... Donc, il faut essayer de le faire de manière crédible. Hein, ne faites pas... Ça ne va pas aller. Donc, il faut vraiment avoir la main qui descend. Vous n'êtes plus du tout dans le contrôle, mais vous êtes toujours, en fait, à la même vitesse. Ne faites pas... Ça ne va pas coller. Donc, vous allez claquer vos cordes. Et ensuite, donc, on étouffe. Et vous voyez que ma main, elle va étouffer. Donc, vraiment, il faut que ça soit... Le silence absolu pour que l'effet bien soit crédible, il fonctionne.
Je vous rappelle que vous pouvez obtenir les tablatures en format PDF et Guitar Pro en ouvrant la description et puis en me soutenant avec Tipeee. Vous n'avez pas accès à simplement la tablature de ce tuto d'aujourd'hui, mais à des dizaines et des dizaines de tablatures que vous allez pouvoir télécharger immédiatement. Donc, il faut vraiment en profiter. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était trop difficile. On ne se décourage pas. Je ne vous ai pas oublié, rassurez-vous. Vous savez que vous avez ma playlist avec tout un répertoire de blues hyper facile que j'ai écrit juste pour vous qui jouez de la guitare, on va dire, en mode loisir. Mais aujourd'hui, donc, c'était quelque chose pour les intermédiaires, peut-être intermédiaires plus. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de couvrir quelque chose où il y avait un petit peu plus de notes. Vous savez que j'adore ça. Alors écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve le plus vite possible pour de prochains tutos blues. Portez-vous très bien. À très bientôt. Bye bye.